Je suis là, pas tout de suite. On veut faire une guerre incroyable comme dans le temps et diviser les équipes. C'est bon. Pas tout de suite. Salut, je m'appelle Marco Napoli. Bienvenue à la deuxième édition du Beau Gros Tête à Mort Burlesque. On va juste faire attention aux caméras, s'il vous plaît, puis aux caméras. On va faire attention aux caméras et aux Kodak. Et l'important là-dedans, c'est... Comme là, qu'est-ce qu'il tape là, c'est vraiment de ne pas pitcher d'eau, d'attendre, mais que ce soit vraiment le moment. Et là, on va capoter comme c'est pas possible. Directement de Mercure Communication, on est trois, on va starter ça. Mon chum, Dan Blouin, est en place. Dan, tu peux venir me voir. Et faites du bruit aussi pour l'enragé. Patricia, directement de Mix. F97 en bronze, yes! Salut, Dan! Sourire. 1, 2, 3, à gauche pour l'équipe. 2, au milieu, salut l'équipe. À droite, salut l'équipe. Gauche, droite, et un, plus méchant, oui, plus méchant, un marteau méchant. C'est bon, excellent, excellent, excellent. Merci Dan, cette année man, on en a tout à fait de notre côté, merci à tous les médias qui sont là. Patricia, ça va être intense comme c'est pas possible. On va capoter, flopiller dans place, tout le monde au grand complet. Pour la photo de famille, je suis pas grave de le gérer, on peut pas tout installer du même bord. Ça va être vraiment lors de l'affrontement qu'on va utiliser les équipes, que là on va prendre des photos à l'infini du clan que vous êtes. On voulait 1000 contre 1000, pouvez-vous applaudir, 1000 contre 1000, c'était hier! Demandez aux caméras Kodak de se reculer un peu, car j'aimerais vous présenter l'arbitre de ce beau gros tête à mort burlesque. Je demande aux caméras de se reculer un peu, parce que l'arbitre d'aujourd'hui, comme par hasard, c'est Miss Marie-Claude Bourbonnais! Et comme par hasard, elle a un gilet blanc, mes amis! Marie-Claude Bourbonnais! Faut se garder de l'eau! Faut se garder de l'eau! Faut se garder de l'eau pour le teint à mort! Marie-Claude est disponible pour des photos. Pardon! Marie-Claude est disponible pour des belles photos. Mention spéciale à tous ceux qui ont des ballons d'eau qui ressemblent à des boules de quilles. J'ai adoré en recevoir une en arrière plein de tête. Pour le combat, justement, on va mettre crémeuse comme traditionnelle, c'est la meilleure façon de diviser des équipes. Canadien nordique, ah, ça fait trop vintage. Bleu contre rouge, c'est de la barbe. D'autres crémeuses comme traditionnelle, c'est plus facile. Et dans la ligne, on va mettre les poids lourds comme Batman en avant. Et en arrière, on va mettre les poids légers, les enfants, les familles, parce qu'on veut pas trop les écraser. C'est bon? Êtes-vous prêts pour un beau gros tête à mort pour l'esque? Là, c'est un géo, quelqu'un prend. Mon gun est à côté de la table, il est bleu, puis il se craigne sur le côté. J'aimerais bien l'avoir, s'il vous plaît. C'est bon ça. C'est celui à l'enragé, ça, mais mon bleu doit être sur le côté. Il est bleu et vert, il est à côté de l'autre adresse. Tout de suite après le tête à mort, on a un après-party à mon pub irlandais préféré. Directement, le pub Galway sur quartier avec les Jagger Master à 3$, les fish and chips, tout à patente. Vous allez capoter, OK? L'après-party, on s'en va directement au pub Galway sur quartier après le combat. Merci à mon chum Guillaume de Sochaux Saucisse pour les hot dogs. Est-ce que vous avez aimé la saucisse marteau grâce à Sochaux? Je sais, c'est les meilleurs hot dogs au monde. Bon, ma feuille, je commence à être tanné, c'est écrit dessus un discours, l'hymne national. Après ça, on divise des équipes et c'est le beau gros tête à mort. Elle s'appelle Suzanne Clément. J'aimerais qu'à chacune de ces déclarations, on va crier comme des déchaînés. Parce qu'on doit, respect à cette personne qui est capable de faire de l'art oratoire. C'est le super-héros venant d'une montagne bizarre. On est prêt pour le discours qui sera suivi de l'hymne national.
Thank you.